Bonjour à tous, bienvenue sur ce live spécial Bachelor, donc de l'ESME que nous faisons ce soir. Donc moi je suis Elsa Michel, c'est moi qui vais animer ce live ce soir et je suis accompagnée de Madame Montéblian, qui est la responsable des admissions du Bachelor, et de deux étudiants, Louane et Alexandre, qui vont pouvoir témoigner de leur expérience et vous partager un petit peu la vie d'étudiant du bachelor. Voilà, je rappelle juste, parce que c'est une information qui est importante, que les bachelors sont hors Parcoursup. C'est pour ça qu'on les présente ce soir. C'est-à-dire que c'est encore possible de s'inscrire si jamais au terme de cette présentation, vous êtes intéressé. Voilà, donc on va démarrer. On va commencer par l'ESME en quelques mots. Ensuite, on ira du côté des campus pour que les étudiants puissent vous présenter leur campus. On découvrira les différents bachelors avec les différentes thématiques et les différents débouchés. On fera un tour du côté du semestre international, des admissions et puis à la fin, on fera une conclusion. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions dans la partie questions-réponses et il y aura des temps de réponse tout au long du live. Voilà, il y aura des gens pour y répondre à l'écrit et puis il y a certaines questions qu'on traitera à l'oral. Donc on va commencer sur la petite partie présentation de l'ESME et je passe la parole à Madame Montéblian pour cette partie. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter un petit peu l'ESME et surtout pourquoi un bachelor dans une école d'ingénieurs, puisque c'est aussi important de savoir pourquoi l'école d'ingénieurs a créé ces bachelors. Donc, pourquoi? Ben, parce que c'est une formation qui va être raccrochée à l'école d'ingénieurs et donc utiliser un petit peu toutes les pédagogies. Orientée, enfin toute la pédagogie qui s'organise déjà dans l'école d'ingénieurs. Donc on est déjà une école généraliste depuis 1905, donc on a une habitude et une connaissance du numérique et de l'énergie, et donc on va pouvoir adapter tous les programmes orientés pour les bachelors. Donc pourquoi un bachelor dans une école d'ingénieurs? Parce que d'abord c'est une formation académique et professionnelle, donc ça c'est un petit peu notre domaine. C'est un cursus international, donc on a aussi déjà une structure internationale. C'est un apprentissage du travail en équipe, donc le bachelor, ce sont des étudiants qui vont beaucoup travailler en groupe et en équipe, comme après dans le monde professionnel. Ça va être des stages valorisants, donc on va pouvoir grâce à ces stages, intégrer très vite le monde professionnel. C'est une école donc de renommée, comme je vous l'ai dit. Pourquoi c'est important de savoir que l'école existe depuis 1905, c'est pas dire qu'on est vieux, mais juste se dire que on a un énorme réseau de personnes qui travaillent dans différentes sociétés et entreprises et qui vont pouvoir vous aider à trouver un certain nombre de stages ou bien même d'emplois à la sortie du bachelor. C'est la possibilité donc de se spécialiser dans des secteurs. Donc ces secteurs, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, c'est l'IoT, c'est la cybersécurité. Donc ça va être des débouchés dans tous les domaines. Ça va être aussi des diplômés qui vont être adaptables et capables d'intégrer un certain nombre de grandes entreprises. Que vous dire d'autre? Ça va être aussi un tremplin pour trouver du travail déjà, pour intégrer une entreprise, puisque la dernière année se fait en apprentissage, mais c'est aussi un tremplin pour une poursuite d'études, que ce soit en France ou à l'international, puisque comme on vous le dira dans la suite de la présentation, vous pourrez partir un semestre à l'international durant donc votre deuxième année. Donc on a des étudiants qui vont pouvoir parler de ce départ pour une étudiante et un étudiant qui revient de son semestre à l'international. Ça va être des enseignants professionnels à partir de la deuxième et troisième année où on va déjà commencer à mettre un pied dans le monde professionnel. Et surtout, et on vous expliquera aussi, un processus d'admission plus simple puisque nous sommes hors Parcoursup. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Elsa. Donc, tout ça va vous permettre d'intégrer des entreprises et surtout d'intégrer des entreprises et d'intégrer le monde du travail ou alors de permettre une poursuite d'études, mais de façon concrète, professionnalisante et internationale. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu les différents bachelors. Elsa, le micro.
Merci beaucoup pour ce tour un petit peu d'explication de l'ESME et de pourquoi l'ESME a choisi de développer des bachelors. On va faire un petit tour du côté de Paris-Ivry et de Bordeaux pour aller voir un petit peu où est-ce qu'évoluent nos étudiants. Donc on va commencer par Paris-Ivry. Alexandre, je vais te laisser présenter ton campus. Où se passent les 3 ans d'études si on enlève le semestre à l'international. Donc bonsoir à tous, moi c'est Alexandre, donc je suis étudiant en deuxième année du bachelor en IoT et cybersécurité. Madame Antéblian et Elsa l'ont précisé avant, les bachelors, donc il y a le bachelor en IoT, en énergie, en aéronautique à Bordeaux, et donc les bachelors en énergie, en IoT et en transport se font sur le campus de Paris-Ivry où moi je suis basé. Donc nous c'est vraiment le campus d'Ivry, on va très très peu à Paris. Donc à Ivry ça va être uniquement les laboratoires qu'on va pouvoir y retrouver. On va avoir également 2 amphithéâtres et donc c'est des salles qui sont généralement très lumineuses avec pas mal d'équipements. Donc on a vraiment la possibilité de réaliser tous les projets de manière vraiment très complète. On a également le Fab Lab qui est géré par des étudiants dont je fais partie, ainsi que diverses associations dont on parlera après. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse cap au sud et qu'on parte donc avec Louane pour le campus de Bordeaux. On reviendra après sur les associations, mais comme ça, on fait les deux campus d'un coup. C'est des associations qui sont communes à tous les campus, d'autres spécifiques. On verra ça de manière plus développée. Mais donc, Louane, cap au sud, est-ce que tu peux nous présenter le campus de Bordeaux? Merci Elsa. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Louane, étudiante en première année de bachelor aéronautique sur le campus de Bordeaux. Mon campus se situe donc dans une ville dynamique au cœur de l'innovation. Sur le campus, nous avons nous aussi un Fab Lab qui est accessible à tous les étudiants, spécialisés ou non d'ailleurs, qui permet donc de développer ses compétences à travers différents projets. Nous avons aussi une terrasse sur laquelle tous les étudiants peuvent se retrouver pour manger ou partager de bons moments, même avec les enseignants. Généralement, sur le campus, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est fait de sorte que tout le monde soit mélangé en fait, avec tout le monde. Et ça donne une ambiance très agréable qui nous motive à aller travailler et à donner le meilleur de nous-mêmes tous les jours. Merci beaucoup Louane. Juste géographiquement, parce que je ne sais pas si tu l'as précisé, donc le campus de Bordeaux est dans Bordeaux intramuros, à une dizaine de minutes en tram de la place des Quinconces, donc vraiment pas loin du centre-ville, pour ceux qui connaissent un petit peu Bordeaux. On va partir maintenant sur les associations. Alors, je vais, pareil, Louane, commencer à te laisser la parole pour parler des associations de Bordeaux. Ensuite, Alexandre parlera des associations de Paris-Ivry. Et puis moi, je ferai une synthèse si besoin. Voilà. Parce que la vie associative en école d'ingénieur, c'est une part importante de la vie de nos étudiants. Donc, Louane, est-ce que toi, tu fais partie d'une association? Oui, alors moi, je fais partie du bureau Air et Espace, donc qui est une association spécialisée, enfin orientée plutôt vers l'aéronautique. Et dans cette association, on participe à des projets comme par exemple construire des fusées. On fait aussi des baptêmes de l'air pour ceux qui sont intéressés. Enfin, vraiment, tout est ciblé sur l'aéronautique et le spatial de manière à pouvoir promouvoir ce milieu de manière à le généraliser un maximum sur le campus. Mais il y a aussi d'autres associations comme le bureau des étudiants ou aussi le bureau des sports. On a aussi le bureau des arts présent sur le campus et d'autres associations. Je n'ai pas tous les noms, mais je sais qu'on a pas mal d'associations et ça a une part très importante, effectivement, dans notre école. Il est important de préciser que les jeudis après-midi sont banalisés pour la vie associative. Donc ça, c'est une petite chose. Donc tous les jeudis après-midi sont banalisés pour la vie associative, mais aussi pour les projets personnels, projets scolaires, dans le Fab Lab ou ce genre
ce genre de choses. Alexandre, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que toi, tu fais partie d'une association ou d'un bureau de l'école? Oui, alors moi je fais partie du Fab Lab d'Ivry, ce qu'on appelle la Maker Team. Donc c'est des étudiants qui sont formés sur toutes les machines du Fab Lab et qui vont pouvoir accompagner les autres étudiants dans la réalisation de leurs projets. Il faut savoir que toutes les formations sont accessibles à n'importe quel niveau, surtout sur le campus d'Ivry où les bachelors sont vraiment mélangés avec les ingénieurs. Donc on est vraiment amené à échanger, à conseiller tout type de formation. Hein, donc notre expérience personnelle est aussi valorisée. Et donc sur le campus d'Ivry, voilà, il y a aussi une très grosse concentration d'associations qui se crée aussi chaque année. Et je pense qu'il est aussi important de rajouter que si vous avez une idée en arrivant à l'ESME d'association, il est tout à fait possible de la mettre en place. Hein. Il y a des étudiants de bachelor de première année qui ont créé plusieurs associations parce qu'ils en avaient envie, ils avaient envie de partager leur passion avec les autres. Donc voilà. Le micro. Sur la Maker Team, c'est la Maker Team qui s'occupe des Maker Sessions également? Je sais pas. Alors, oui, tout à fait. C'est également la Maker Team qui s'occupe des Maker Sessions, donc qui sont des petits événements organisés donc, par la Maker Team pour permettre à n'importe qui, enfin, aux étudiants qui souhaiteraient rejoindre l'ESME, de découvrir la pédagogie et la manière dont on fonctionne sur un projet au sein de l'école. Donc c'est un petit projet qui se réalise en une heure et demie, sur laquelle on va aborder les différentes thématiques là c'est un petit projet électronique en l'occurrence, donc c'est également la Maker Session qui s'occupe de préparer le matériel et de former les candidats sur les différents outils. D'accord, bah merci beaucoup pour ces précisions. Et là, il est encore possible, il y a encore des Maker Sessions hein, qui vont s'organiser. Si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous voulez découvrir le SME à travers ce côté un petit peu vraiment projet. Donc, il y aura les contacts à la fin de la présentation, des gens à contacter si vous voulez participer à ce type d'événement. On va tout de suite attaquer avec les questions, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, on va commencer tout de suite avec une question de Emma, qui, pour continuer sur la vie étudiante, qui demande comment on peut intégrer une association étudiante. Et je vais laisser Louane répondre. Bonjour Emma. Donc pour intégrer une association étudiante, il y a donc une journée qui est organisée, en tout cas sur le campus de Bordeaux, je ne sais pas si c'est pareil sur Ivry, mais je sais qu'on a une journée qui est organisée pendant laquelle toutes les associations en fait, vont se présenter à toi, elles vont t'expliquer ce qu'elles font, et à ce moment-là, tu pourras choisir ton association et t'inscrire si jamais tu as envie. Après, c'est possible de le faire tout au long de l'année, j'ai envie de te dire, mais ce moment-là est vraiment dédié à ça. Merci beaucoup. On a également Katia donc, qui vient directement au débouché, mais on va répondre tout de suite. Il y aura vraiment une partie focus sur cette question, mais elle demande si elle peut aller en parcours ingénieur après le bachelor. Alors oui, c'est tout à fait possible. Après, ça va dépendre aussi du niveau. Un bachelor à 10.00, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bien sûr, la poursuite d'études en cycle ingénieur après le bachelor est tout à fait envisageable. On a quelqu'un en anonyme qui demande quelle est la différence entre le bachelor et la formation ingénieur. Et je vais laisser Madame Antéblion répondre. Donc, on est sur des formations différentes. Il y en a une qui va mettre en avant d'abord toute une partie pratique, concrète. Le but étant d'apprendre, mais de façon plus concrète et plus en touchant, je dirais, en faisant. C'est un petit peu différent dans le sens où le cycle d'ingénieur, on va dérouler une partie qui est beaucoup plus théorique pour comprendre le pratique. Nous, on commence par le pratique pour comprendre le théorique. Donc, c'est une façon différente et une façon tout à fait complémentaire d'apprendre, mais surtout très différente. Et donc, on met moins en avant la partie contrôle continu, on met moins en avant, on cherche vraiment les TP, les projets, et tout ce qui peut permettre d'apprendre en faisant. Mais je peux aussi laisser Alexandre rajouter quelque chose, puisque lui, il le vit de l'intérieur. Donc, pourquoi on choisit plus
un bachelor plutôt qu'une école d'ingénieur? Le choix sur la différence entre prendre un bachelor ou une école d'ingénieur, c'est vraiment un choix qui est personnel et qui est au niveau de la motivation et pas forcément des capacités, parce que moi, je pouvais aller en parcours standard, c'est-à-dire faire maths sup, maths spé, prépa et aller derrière en école d'ingénieur. Néanmoins, moi, je voulais vraiment pouvoir mettre en pratique ce que j'apprenais et pas juste faire de la théorie pour faire de la théorie et ne plus jamais m'en servir après au bout des 2 ans. Donc c'était vraiment le but était vraiment d'avoir quelque chose qui me permette derrière aussi d'aller travailler éventuellement si j'en avais marre, ce qui n'est pas le cas d'une prépa. Au bout d'une prépa, vous n'avez pas de diplôme, alors que sur un bachelor, vous avez quand même un titre qui est émis par l'école à la fin de la formation. Merci beaucoup pour cette réponse. Louane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou la réponse d'Alexandre t'a paru complète? Non, la réponse d'Alexandre m'a paru complète, oui. Eh bien, c'est parfait. On va continuer donc avec une question de Laura qui demande qu'est-ce qu'on fait dans le Fab Lab? Donc, je vais laisser Alexandre répondre parce qu'il fait partie de la Maker Team. Et Louane, si tu souhaites rajouter quelque chose, tu pourras. Donc déjà, merci beaucoup pour la question parce que c'est vrai que ça permet de mettre un peu en lumière ce qui se fait dans le Fab Lab. Alors, le Fab Lab, c'est vraiment un lieu d'échange et de partage sur les différents projets que les étudiants font, comme je le disais aussi bien en ingé qu'en bachelor. Donc on a diverses machines, notamment des imprimantes 3D, une fraiseuse CNC, une découpeuse laser, donc qui permettent de réaliser des pièces à la fois en 3D et en 2D. Et donc les projets, c'est vraiment divers, hein. Il y a cette année, en deuxième année de bachelor, ceux qui font énergie, ils font une voiture autonome. L'année dernière, sur les projets d'électronique, c'était les capteurs de température. On voit des bras robotiques sur les parcours sur tout ce qui est biomécatronique en école d'ingé. Donc le lab est vraiment ouvert à tous, et même si vous avez d'ingénierie personnelle, des idées de réalisation, une éolienne, ce genre de choses, il est tout à fait possible de venir nous voir avec votre projet et nous, on vous aidera bien volontiers à le réaliser. Eh bien, merci pour cette présentation très complète du FAB, qui est un des lieux dans lequel évoluent principalement les étudiants bachelor. C'est un lieu dans lequel ils passent pas mal de temps. Il y a une question de Anonyme qui demande quels sont les débouchés après le bachelor aéronautique et pour quel type de métier? Donc là, ça va être la dernière question. Il y aura une autre partie question juste après. Je vais juste terminer sur celle-là. Donc, les débouchés après le bachelor aéronautique, ça va, si on intègre le monde du travail directement, ça va soit être sur des postes qu'on va appeler postes pivots, donc assistant ingénieur, chef d'équipe, chef de projet, ou des postes d'experts, experts système embarqué, responsable de flotte en aéroport. Voilà, et je vais juste une petite question pour Louane, parce que je trouve que son témoignage peut être intéressant. Toi, Louane, après le bachelor, que souhaites-tu faire? Moi, après le bachelor, je souhaite soit continuer donc en ingénierie, soit effectivement poursuivre sur une carrière de pilote de ligne ou pilote commercial. Et cela est notamment possible parce qu'à Bordeaux, sur le bachelor aéronautique en troisième année, on propose la préparation à l'ATPL théorique, qui est donc la partie théorique du diplôme de pilote et qui permet derrière d'intégrer un centre de formation pour faire la partie pratique parce que nous n'avons pas d'avion sur le parking de l'école, forcément, mais ce qui est déjà une grosse partie de la formation pilote. On va continuer sur la découverte des différents bachelors et je vais passer la main à Madame Antéblian pour aborder cette question. Donc, voilà. Donc, pourquoi un bachelor? Comme je vous l'ai dit, hein, c'est les 10 points que je vous ai donnés en début. C'est donc une formation académique et professionnelle. C'est un cursus international. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un bachelor. Hein. Donc, avec un semestre, un apprentissage du travail en équipe, des stages valorisants, une école de renommée, un réseau d'anciens, très important, hein, d'avoir un bon réseau, la possibilité de se spécialiser.
C'est donc un tremplin pour la poursuite d'études, un enseignement professionnel et un processus d'admission. Donc voilà pourquoi un bachelor. Et c'est aussi, donc, comme je vous le dis, hein, le travail en équipe. Donc ça veut dire se mettre en mode projet. C'est ça qui va te permettre de travailler la partie académique et professionnelle. C'est grâce au projet. Donc c'est des exercices, des TP, des projets personnels, de groupe, professeurs. Voilà. Donc finalement c'est très technologique et surtout c'est diplômant puisque à la sortie du bachelor vous avez un niveau bac plus 3, donc un équivalent de licence avec une certification reconnue. Voilà. Alors pour qui c'est bachelor? Donc ça c'est important. Donc comme on l'a dit au début, hors Parcoursup, c'est pour des bacs généraux. Alors évidemment c'est mieux si on a une spécialité scientifique, mais pourquoi pas candidater si on souhaite se réorienter, en sachant qu'on va quand même attendre un intérêt pour les sciences. Voilà, à un moment ou à un autre, on attend quand même un intérêt pour les sciences, puisque ce sont quand même des formations très technologiques et scientifiques. Un bac STI 2D, on est vraiment dans la continuité du bac STI 2D, c'est vraiment le bac qui correspond vraiment à la poursuite de ce type d'études. Ou alors, évidemment, bac plus 1, quelqu'un qui souhaite se réorienter parce qu'il s'est trompé de formation. Donc, effectivement, il faut aussi ouvrir ça à des personnes qui ont envie de changer de formation. On n'a pas besoin, juste après le bac, de se dire j'ai trouvé la formation, on a le droit de se tromper, on a le droit de se réorienter. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais vous présenter les bachelors de façon plus précisément. Donc, on a un bachelor chef de projet en transition énergétique. Donc là, les métiers visés, c'est tous les métiers dont on va avoir besoin dans la création des nouveaux bâtiments, puisque les nouveaux bâtiments vont avoir de plus en plus une intelligence, c'est-à-dire qu'on va y mettre des capteurs, autant sur l'énergie, mais surtout la vie quotidienne des bâtiments. Vous savez qu'avec le Covid, on a un peu changé nos habitudes, le télétravail, on a changé toutes nos habitudes, donc il va falloir adapter les bâtiments dans ce sens. Donc, on va faire des facility managers, des responsables d'exploitation, des assistants chargés d'affaires, des technico-commerciaux, des building data scientists et des chargés de mission en énergie renouvelable. Donc là, ce sont des noms, mais derrière, il y a énormément de métiers. On a une très forte demande des entreprises pour tous les métiers qui se rapprochent de l'exploitation des bâtiments et de les amener vers une transition énergétique qui est... très demandé. Comme vous le savez, le Grand Paris s'organise et tous les bâtiments vont être mis aux normes d'ici 2030, me semble-t-il. Et ensuite, tous les nouveaux bâtiments qui sont construits vont être mis aussi aux normes. Donc, on a énormément de besoins dans ces domaines-là. La slide suivante, donc là, bachelor cybersécurité des objets connectés. Donc les objets connectés, ça vous le savez, vous devez l'entendre dans la presse, sont très souvent attaqués. Donc on va avoir besoin de personnes qui peuvent protéger nos objets connectés. Donc comme vous l'avez vu dans le bâtiment tout à l'heure, pourquoi pas, mais ça peut être tous les domaines qui vont être impactés. Vous avez des montres, vous avez des pacemakers, tous les domaines sont impactés puisque des objets connectés, on va les trouver partout. Donc, il faut protéger puisque se faire voler son dossier de santé peut être un danger pour soi. Voilà, donc ça va être des analystes en cybersécurité, des développeurs IoT et tous les domaines sont impactés. Et ensuite, les bachelors des transports éco-intelligents. On a vu le bâtiment qui, lui, est posé sur Terre. Là, on va voir tout ce qui est transport. Donc, c'est de la signalisation, c'est du véhicule, c'est les rails. Voilà, tous les domaines sont impactés aussi pour la protection, l'intérieur au niveau des trains, l'intérieur des rames. Il va falloir refaire remonter des informations. Aujourd'hui, on est capable de remonter les informations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est un problème qu'il va falloir élucider. Donc là, c'est pour les bâtiments et tout ce qui est transport intelligent
donc terrien, terrestre, on va même dire. Et on va aussi avoir donc, du système embarqué pour l'aéronautique, où là, ils vont se spécialiser sur les drones, sur des métiers, beaucoup, toutes les spécifications des véhicules volants. Donc là, on va vraiment se spécialiser dans un domaine très particulier. Ça se fait à Bordeaux parce que Bordeaux a une forte demande d'emploi dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça qu'on a installé notre bachelor sur le campus de Bordeaux, très jolie région d'ailleurs, pas très loin de Toulouse. Donc c'est vraiment une plateforme et un lieu qui est vraiment très proche. Je vais laisser à Elsa la parole pour continuer. Merci beaucoup pour cette présentation des bachelors. Donc on voit que c'est des thématiques qui se rejoignent mais qui en même temps ont chacune leur spécificité avec des domaines d'application spécifiques. Donc on va reprendre les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient été posées entre-temps dans le chat. Donc on va démarrer tout de suite. Donc j'en cherche une. Donc quels sont les débouchés après le bachelor aéronautique? On l'a demandé. Y a-t-il une entraide entre les étudiants? Et je vais laisser Louane répondre, en tout cas pour le campus de Bordeaux, et Alexandre compléter si besoin pour le campus de Ivry. Merci Elsa. Pour répondre à cette question, oui, il y a une entraide entre les étudiants, et d'ailleurs pas que les étudiants en bachelor, hein, les étudiants en ingé, en tout cas nous sur Bordeaux, on est mélangés avec les étudiants en ingé, et donc tout le monde s'entraide, et dans ma promo en tout cas, oui, il n'y a pas d'esprit de compétition, l'intérêt c'est que tout le monde y arrive, et donc ça c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui demande donc, si tous les étudiants peuvent rejoindre une association. Oui, en effet, tous les étudiants peuvent rejoindre une association. Il y a Manon qui demande quelles sont les matières proposées dans le bachelor. Donc là, je vais laisser Alexandre répondre pour son bachelor. Est-ce que tu peux nous repréciser donc, sur quel bachelor exactement tu es? Ensuite, oui. Louane répondra pour l'aéronautique. Tout à fait. Alors, bon, sur le campus d'Ivry, comme Madame Antébliant l'avait précisé, il y a le bachelor transport éco-intelligent, énergie et IoT et cybersécurité dans lequel je suis. Et au niveau des matières, ça va légèrement différer au niveau de la première année et va vraiment y avoir une différenciation à partir de la deuxième année. Donc la première année, c'est vraiment entre guillemets un tronc commun, surtout au premier semestre où on remet entre guillemets tout le monde à plat au niveau des connaissances pour derrière pouvoir avancer de manière sereine. Donc ça va être des bases en électronique, en mathématiques, en génie électrique. Et derrière, au deuxième semestre, on va commencer à introduire les matières spécialisées. Donc pour ma part, en IoT et cybersécurité, ça va être des mathématiques appliquées à l'informatique. Un petit peu, hein, ça reste tout à fait digeste. On n'est pas sur 10 heures de maths par jour pendant un semestre. Et derrière, au niveau de la deuxième année, va vraiment y avoir une différenciation et on va passer sur 80% de cours de spécialité et 20% de cours de tronc commun qu'on a avec les autres spécialités. Je ne sais pas si Elsa, c'est la même chose pour toi à Bordeaux. Alors, bah, du coup, je vais laisser Louane expliquer pour Bordeaux, parce que moi, je ne suis pas les cours. Donc, Louane, comment ça se passe pour toi à Bordeaux? Oui, pour reprendre ce qu'a dit Alexandre, effectivement, nous, on a une partie tronc commun, entre guillemets, où c'est vraiment les sciences fondamentales. Donc, il y aura de la physique, des maths. Mais comme a dit Alexandre, c'est quelque chose de tout à fait digeste. Hein, ce n'est pas 10 heures de cours par semaine, non, pas du tout. Donc, le premier semestre de la première année, en tout cas pour moi, c'est vraiment ça, c'est on va installer les bases. Et comme Alexandre, au deuxième semestre, on va plus se spécialiser un peu plus dans l'aéro. Donc, pour moi, par exemple, au deuxième semestre, ben, on a commencé à avoir un peu de thermodynamique, de mécanique des fluides, énergie, avionique aussi. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. J'ai une autre question de Thibaut qui demande s'il est possible d'intégrer le bachelor en deuxième année.
Donc, oui, c'est possible, mais comme on le verra juste après, la deuxième année démarre par un semestre à l'international. Ça va dépendre des profils et ça va dépendre de quand vous candidatez. Il y a Paul qui demande quels sont les projets que vous avez faits. Donc, je vais laisser Alexandre commencer, puis Louane compléter. Chacun un projet qui vous a marqué durant les années de bachelor que vous avez déjà fait. Donc sur les projets qu'on a déjà pu faire, sur les 3 semestres, il faut compter à peu près un gros projet par semestre. Les 2 projets de la première année, c'est des projets qui sont en électronique. Comme je l'ai dit, c'est vraiment le tronc commun pour tout le monde, quelle que soit la spécialisation qu'on va avoir. Donc au premier semestre, c'était un capteur de mouvement qui est fait de manière tout à fait 100% analogique. Et au deuxième semestre, comme on commence à introduire l'électronique numérique, là c'était un capteur de température, un thermomètre en fait. Et sur après le retour de l'international, là c'était un projet 100% informatique qui était un programme pour permettre de chiffrer des fichiers et des chaînes de caractères de manière automatisée. Donc il y a tout derrière une analyse, bien évidemment. Hein. C'est pas juste, notamment en électronique, c'est pas juste brancher des composants jusqu'à ce que ça marche. Il y a vraiment tout un travail préparatoire derrière pour vraiment mettre en application ce qu'on a pu voir en cours. Merci beaucoup, Louane. Toi, quels sont les projets qui t'ont marqué là durant donc cette première année de bachelor? Parce que je rappelle, Louane est en première année. Alors moi, pour cette première année de bachelor, le projet qui, on va dire, les 2 projets qui m'ont le plus marqué, ça a été en premier lieu donc l'aérodrome autonome, le système donc de gestion de piste où il a fallu faire une piste en fait autonome qui puisse se gérer toute seule. Et donc c'était vraiment top parce qu'on a pu mettre en lien différentes matières comme de l'électronique, de l'informatique, des maths, de la physique. Et le deuxième projet qui m'a marqué, ça a été le tout dernier, la Robo Kart Cup, où il fallait donc faire un robot capable d'éviter des obstacles. Et donc ça a fait appel à nos connaissances générales sur toute l'année. Ça nous a permis aussi de solidifier nos équipes projet. Et ce, donc, de toute façon, tout au long de tous nos projets durant toute l'année. Merci beaucoup. Et sur la Robo Kart Cup, du coup, à la fin, il y a eu une course de robots entre les différentes équipes qui a été organisée. Il y a Théo qui demande si on prépare au métier de pilote. Donc, oui, sur la partie théorique, comme je le disais tout à l'heure avec l'ATPL. Il y a Harris qui demande la différence entre Bordeaux et Paris. Donc, la première différence, c'est que ce n'est pas les mêmes bachelors qui sont proposés. Le bachelor transport éco-intelligent option. Système aéronautique n'est proposé qu'à Bordeaux et les 3 autres ne sont proposés qu'à Paris, oui. Mais peut-être que Alexandre et Louane, vous voulez rajouter quelque chose sur cette différence. Louane, aurais-tu quelque chose à rajouter? Alors oui, au niveau de la différence entre les 2 campus, je dirais premièrement la taille des campus. On n'est pas sur la même taille. Bordeaux, c'est le plus petit campus, je crois, de l'ESMS Fudria. Et donc là-dessus, c'est différent. Et au niveau de la vie estudiantine dans cette ville aussi, c'est complètement différent. Après, les mêmes activités sont proposées, je pense, sur les campus. Je ne sais pas si Alexandre, c'est le cas sur Ivry. Au niveau des activités, oui. Après, c'est vrai que le campus d'Ivry est quand même plus grand parce qu'il y a tous les laboratoires, notamment pour les ingénieurs et les bacheleurs qui font énergie. Donc le campus est beaucoup plus grand, il y a plus d'élèves. Néanmoins, on finit à la fin par toujours recroiser un petit peu les mêmes têtes. Donc ça reste un campus qui est vraiment où tout le monde un petit peu se connaît. Hein. Et c'est pareil. Alors j'ai complètement oublié de le préciser tout à l'heure quand on parlait d'entraide avec les étudiants, mais c'est aussi la même chose pour les professeurs. Les professeurs sont vraiment accessibles. Leurs bureaux sont juste à côté des salles de cours. Donc si on a le moindre souci, on peut aller les voir. C'est aussi tout à fait possible. Merci beaucoup. Il y a Julie qui demande combien d'élèves il y a par classe. Donc, on est sur une vingtaine d'élèves par classe, sachant que les cours de TP et les cours de langue sont divisés en demi-groupes. Et en parlant des langues, et après, on ira tout de suite sur l'international, mais j'ai vu revenir la question plusieurs fois. Est-ce qu'il faut un bon niveau d'anglais pour partir à l'international?
Alors oui, mais on vous prépare et on vous accompagne toute l'année pour vous faire progresser en anglais, notamment avec des semaines d'immersion en demi-groupe où vous parlez anglais pendant une semaine. Voilà, on va tout de suite partir à l'international. Donc on va commencer avec Alexandre qui va nous présenter donc son expérience puisqu'Alexandre est parti à Prague. Donc un petit peu bah, comment ça s'est passé ce premier semestre de deuxième année à Prague City University. Alors oui, merci Elsa. Donc comme tu le précisais, le premier semestre de la deuxième année se déroule à l'international. Donc ceux qui faisaient énergie sont partis à Vilnius et nous qui faisions IoT et cybersécurité, nous sommes partis à Prague en République tchèque. Donc là-bas, c'est vraiment pas du tout la même pédagogie que ce qu'on va pouvoir avoir en cours à l'ESME durant toute l'année. On va avoir beaucoup moins d'heures de cours, mais il va y avoir plus de travail personnel à fournir. Là-bas, on a l'avantage d'avoir des professeurs qui sont vraiment en pointe sur toutes les matières qu'ils vont nous enseigner, ils sont vraiment. C'est pas du tout la même manière d'enseigner et de réaliser les projets que ce qu'on pourrait avoir en France, notamment. C'est une ambiance qui est aussi différente, même au niveau de la ville et de la vie là-bas. C'est pas du tout la même chose. Le coût de la vie est pas le même. L'impression dans la ville est pas la même. Moi, je me sens personnellement plus en sécurité à Prague qu'à Paris. Après, c'est un ressenti qui est très personnel et qui varie aussi d'une personne à l'autre. Il y a aussi toute la partie historique. On a fait beaucoup de tourisme en petits groupes là-bas. On s'est pas mal baladé. Et puis voilà, non, non, Prague est vraiment, c'est vraiment une destination que je recommande. Et d'ailleurs, mes camarades qui sont partis à Vilnius en étaient également très contents. Si ce n'est qu'il faisait un petit peu plus froid là-bas de ce qu'ils nous ont dit. Alors oui, en effet, à Vilnius, c'est un des retours qu'ont fait les étudiants, c'est qu'il a fait froid, mais qu'ils se sont quand même, ça a été une expérience très enrichissante pour eux. Donc les étudiants en aéro partent également à Vilnius, donc en système aéronautique, toute la promotion part à Vilnius l'année dernière. Cette année, il y en a également quelques étudiants qui partent à Cork. On va parler principalement de Vilnius. Donc, c'est un semestre qui est beaucoup plus tourné vers l'aéro, puisque c'est en partenariat avec le Centre de formation des pilotes et des ingénieurs aéronautiques de Lituanie, le Centre national. Donc, les cours, vous êtes les étudiants sont dans les hangars à travailler sur les moteurs, la propulsion, la liaison sol-air, air-sol, des choses assez techniques. Et ils voient une notion et ensuite, ils vont, comme ils sont dans les hangars, ils vont directement dans les moteurs, dans les avions qui sont juste à côté d'eux. Donc c'est vraiment un semestre qui est plus technique et pratique et très aéro. Véhicule, pour ceux qui voient un petit peu la différence entre véhicule et système. Voilà, on propose évidemment un accompagnement pour le logement et un accompagnement pour préparer le départ dans des destinations internationales. D'ailleurs, Louane, donc, j'ai pas interrogé Louane sur comment s'est passée son expérience parce qu'elle part fin août, début septembre, pour une rentrée début septembre. Mais Louane, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la préparation? Alors oui, au niveau de la préparation, on est très accompagnés. On nous a fait déjà plusieurs vidéos afin de nous expliquer un petit peu ce qu'on allait trouver là-bas pour nous préparer. On nous envoie pas comme ça, hein. Et sinon, non, au niveau de la préparation, rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, on est quand même très assistés là-dessus. On n'est pas laissés tout seuls en pleine nature. Même s'il fait très froid là-bas. Oui, on pourrait difficilement vous laisser en pleine nature parce qu'il fait très froid. On va partir sur quelques questions. Donc, il y a Harris qui demande s'il peut passer d'un campus à l'autre en cours de scolarité. Alors non, puisque ce n'est pas les mêmes bachelors qui sont proposés. Donc, forcément, on peut pas switcher. Il y a Joël qui demande s'il y a une poursuite d'études possible après le bachelor. Donc, je vais laisser Madame Antebellion répondre. Donc, effectivement, ce sont des bachelors qui sont faits pour aller travailler, hein. On prépare quand même à des métiers, mais on peut tout à fait faire une poursuite d'études, donc ou à l'ESME en école d'ingénieur, ou bien sur des masters spécialisés qui sont donc ou un bac plus 5 pour avoir un équivalent de bac plus 5. Donc, des métiers, il y en a beaucoup et des poursuites d'études aussi. Ça peut être aussi une poursuite d'études
à l'international, ça sera tout à fait possible puisque certains prennent goût à l'international après leur semestre. C'est vrai que c'est une expérience qui permet aussi de s'ouvrir vers des nouvelles formations, on va voir ailleurs, et donc c'est vraiment quelque chose qui peut aussi être une solution. Donc oui, il y a énormément de possibilités de poursuite d'études, c'est un vrai tremplin pour une poursuite d'études, tout à fait. Il y a Adji qui demande est-ce que c'est comme en STI 2D au niveau des cours ? Alors, bah, on est en études supérieures, hein, donc forcément, on ne refait pas le programme du bac. Mais Louane, Alexandre, Alexandre pour commencer et Louane après, est-ce que vous avez des choses est-ce que vous pouvez juste plus précisément, excusez-moi, expliquer la différence ? Oui. Alors, je suis un STI, un ancien STI SIM. La pédagogie de cours est sensiblement la même, c'est-à-dire qu'on va vraiment axer ça sur la pratique et moins sur le théorique, même si le théorique est toutefois nécessaire, mais c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup d'heures en projet et à essayer de comprendre le fonctionnement de X ou Y module ou système pour pouvoir le comprendre et apporter derrière les notions théoriques qui soutiennent ce système, ce qu'on étudie en fait. Et derrière, c'est vraiment en lien avec ce qu'on fait dans les projets et derrière dans les applications métiers qu'on retrouvera derrière. Louane, est-ce que tu souhaites compléter ? Oui, concernant notre bachelor, enfin en tout cas moi, avant j'étais en prépa et donc par rapport à, et j'ai fait un bac S, donc par rapport à ça, je n'ai pas fait d'STI, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est la même chose. Maintenant, comme a dit Alexandre, c'est un peu plus poussé, c'est pas la même chose. C'est un peu plus opérationnel, je dirais. Pour moi, c'est comme une prépa, mais étalée sur 3 ans, je trouve. C'est plus poussé et beaucoup plus spécialisé. Donc là-dessus, c'est complètement différent. Merci beaucoup. On continue avec Katia qui nous demande si on aide pour les logements. Alors oui, on aide pour la... On propose un vrai accompagnement sur le logement, notamment donc, sur Bordeaux. Je ne sais pas si ça existe encore déjà sur Paris-Ivry, mais... un guide pratique avec toutes les ressources de logement, avec la présentation des quartiers et également les différentes solutions de financement de vos études. Mais que ça soit sur Bordeaux ou sur Paris-Ivry, les chargés d'admission sont évidemment disponibles au téléphone pour vous aider, pour vous aiguiller et pour potentiellement, s'il y a un appartement qui se libère parce qu'un étudiant part en colocation ou part à l'étranger et qu'il ne garde pas son appartement, pour pouvoir faire un suivi d'appartement. Ça, c'est des choses qui se font, il ne faut pas hésiter du tout à nous appeler. On ne propose pas de logement, mais on vous accompagne. Alors, je mettrai un tout petit peu bémol sur Paris, où là, on propose des logements, puisque nous sommes en liaison avec la ville de Paris, pour proposer des logements. Donc, la ville de Paris a des logements pour les étudiants qui sont réservés, et nous avons quelques appartements possibles, donc des logements sur Paris. Voilà, c'est une petite parenthèse pour la spécificité Paris. Eh bien, je ne connaissais pas cette spécificité parisienne, mais du coup, c'est encore plus intéressant quand on connaît la difficulté de se loger sur Paris. Donc voilà, à retenir sur Paris, dès que vous vous inscrivez, ne pas hésiter à appeler les chargés d'admission puisqu'il y a cette opportunité qui vous est offerte. Il y a Romain qui demande s'il y aura d'autres destinations à l'international. Donc je vais laisser Madame Antebellion répondre. Évidemment, donc nos bachelors, nous ouvrons la troisième année, donc ça va, voilà, on va ouvrir notre troisième année d'existence. Et donc chaque année, on ouvre des nouvelles destinations. Donc cette année, on avait ouvert Riga en Lettonie, c'est ça ? En Lettonie, au vu des difficultés de l'Europe de l'Est, on l'a mis un peu en suspens. Donc, on a aussi ouvert Carlo, mais nous sommes aussi en discussion avec Istanbul. On est en discussion avec d'autres universités réparties en République tchèque. On a une autre destination un petit peu dans toute l'Europe, effectivement. Donc, actuellement, nous sommes en discussion. Donc, oui, nous allons ouvrir d'autres destinations et proposer d'autres destinations. Donc, on a aussi ouvert Carlo, qui se trouve en Irlande, où donc 4 ou 5 étudiants vont partir
sur Carlo. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, avant de passer aux admissions, et puis si on a le temps de faire les dernières questions, on verra. Mais il y a, pour finir sur l'international, il y a une question de Joe, qui, je ne sais pas comment ça se prononce, qui demande pourquoi partir à l'étranger. Et je trouve que c'est une très très bonne question. Donc, je vais laisser dans un premier temps Alexandre, qui est parti à l'étranger, nous dire en tout cas ce que ça lui a apporté à lui. Et puis, Madame Antéblier, au moins, compléteront d'un point de vue plus académique et pédagogique. Alors, bon, au-delà du fait de partir faire le touriste dans un pays étranger pendant quelques mois, moi, ce que ça m'a apporté, alors en plus, moi, je suis tombé pendant la période où le Covid remontait en République tchèque, donc je n'ai pas forcément eu toutes les opportunités, mais... c'est vraiment l'expertise des professeurs qu'on va pouvoir avoir là-bas qui est différente de celle qu'on a en France. Je suis par exemple tombé sur un enseignant qui était calé et qui avait toutes les certifications possibles sur tout ce qui va être réseau. On avait un enseignant qui travaillait lui dans un laboratoire d'intelligence artificielle. Donc moi c'était vraiment plus du point de vue expertise technique et pouvoir aller échanger avec ces enseignants-là que j'aurais pas forcément pu rencontrer si j'étais resté en France, à Ivry, sachant que, même s'il y a des enseignants-chercheurs à Ivry, c'est vrai que l'échange est plus informel à l'étranger que ce qu'on pourrait avoir quand même en France. Donc, c'est quelque chose qui change aussi et ça fait aussi du bien de partir voir aussi découvrir une autre culture pendant quelques mois. Merci beaucoup, Madame Antonin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est sûr que c'est important. C'est la première fois pour beaucoup qu'ils partent à l'étranger, loin des familles. Donc, c'est aussi une adaptation. C'est la rencontre avec d'autres étudiants. En général, je sais que pour Prague, je crois qu'il y a une vingtaine de nationalités différentes. Donc, c'est une ouverture d'esprit. C'est effectivement du tourisme. C'est la découverte d'autres façons de vivre, d'autres façons d'apprendre. Donc, c'est très, très important. C'est une énorme ouverture d'esprit. Ça permet effectivement de s'ouvrir vers le monde, de s'ouvrir vers l'Europe. C'est terminé. Des personnes qui travaillent, qui sont franco-français, on va aujourd'hui travailler sur des projets internationaux. Il faut pouvoir parler avec toutes sortes de personnes, même des cultures très différentes des nôtres. Merci beaucoup. Et je rajouterai que dans le monde de l'ingénierie aujourd'hui, l'anglais est indispensable et qu'une expérience à l'étranger est quand même le meilleur moyen de parfaire son anglais, même quel que soit le niveau duquel on part. On va aller faire un tour du côté des admissions, parce que maintenant qu'on vous a bien présenté les bachelors, comment on peut y entrer si on souhaite y entrer? Donc c'est moi qui vais vous présenter cette partie. Donc je rappelle que les bachelors sont hors parcours sup, donc c'est tout à fait possible de continuer à postuler. D'ailleurs, il reste des places pour le moment dans tous nos bachelors. Il n'en reste pas énormément, mais il reste des places. Donc la procédure d'admission se fait en deux étapes. C'est un dossier de candidature à télécharger sur notre site internet, donc c'est un dossier simple, il y a une partie administrative avec vos renseignements personnels, et ensuite il faut mettre vos bulletins de première et de terminale, une lettre de motivation, une copie de pièce d'identité et toutes les pièces que vous pensez utiles pour défendre votre profil. Ce dossier est à envoyer par mail, donc au contact qu'on verra juste derrière. Maximilien Ray pour la partie de les bachelors de Ivry et moi-même pour Bordeaux. Et une fois qu'on a reçu votre dossier, on l'étudie. S'il est jugé admissible, vous êtes convoqué à un entretien de motivation qui dure une trentaine de minutes et qui peut se faire en visioconférence ou en présentiel. L'objectif, c'est de pouvoir déterminer un petit peu votre profil, vos motivations et pourquoi vous avez choisi le bachelor. C'est possible, si vous le souhaitez, de postuler sur plusieurs bachelors. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui veulent postuler sur le bachelor transport terrestre et transport aéronautique. Et dans ces cas-là, il suffit de cocher les deux bachelors sur votre dossier de candidature. Et on vous donne la réponse sous une semaine. On a des jurys qui se réunissent toutes les semaines après les oraux pour étudier donc les personnes qui ont passé leur oral de motivation la semaine précédente. Et donc, au bout d'une semaine maximum, vous avez une réponse quant à votre admission ou non.
Voilà sur la partie admission. Donc, je rappelle que ce bachelor est ouvert aux personnes qui ont fait STI2D, aux personnes qui ont un bac général avec au moins une spécialité scientifique et aux personnes en réorientation. On a beaucoup de profils en réorientation et c'est des profils souvent très, très intéressants. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis que c'est hors Parcoursup, donc c'est tout à fait possible encore de postuler. Au niveau des contacts, donc je disais qu'on allait voir un petit peu les contacts. Donc c'est Maximilien Rey pour les trois bachelors de Paris. Vous avez le petit QR code pour flasher directement et avoir directement tous ces contacts. Et c'est moi-même pour le bachelor aéronautique à Bordeaux. Et pareil, il y a le QR code. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques dernières questions ou on va arriver sur la fin de ce live? Je pose la question en backup. Apparemment, on a le temps de prendre quelques dernières questions parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient arrivées. Et puis là, juste sous nos yeux apparaissent un petit peu les réseaux sociaux de l'école. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez découvrir l'école de l'intérieur, on a notamment un compte Instagram qui est tenu par les étudiants, on a Twitter, Facebook, LinkedIn, voilà, ne pas hésiter à aller voir un petit peu sur nos réseaux et le petit dernier TikTok qu'on a ouvert récemment au mois de septembre, voilà, qui est également animé par des étudiants. On va aller voir les dernières questions. Donc, il y a Zach qui demande s'il y a des financements possibles. Alors oui, l'école est éligible à la bourse du CROUS. Il y a également des bourses internes à l'école et on a des partenariats bancaires. Tout vous est expliqué au moment de l'inscription. Et Zach, encore, qui demande s'il y a de l'alternance. Alors oui, tous les bachelors sont proposés en alternance sur la troisième année, en contrat pro ou en contrat d'apprentissage. Voilà. On vous aide évidemment à trouver votre alternance. Ça, c'est une question qu'on a très régulièrement. Il y a des services des stages qui vous accompagnent pour trouver l'alternance. Vous n'êtes toujours pas lâché dans la nature. De manière générale, avec les bachelors, vous n'êtes jamais lâché dans la nature. Et au niveau du rythme, c'est une semaine sur deux en entreprise. Il y a Xavier qui demande s'il y a une LV2. Je ne sais pas s'il y a un des étudiants qui veut répondre sur la question de la LV2. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a fait une LV2? Oui. Moi, j'ai fait une LV2, donc j'ai pris espagnol. Et donc, tout à fait, tu peux choisir une LV2. Il suffit juste de le signaler, en fait, à ton responsable d'année. Il est important de préciser que la LV2 n'est pas obligatoire. La LV1, l'anglais, bien sûr, est obligatoire et a une part importante dans les apprentissages. Pour la LV2, c'est une option. Et au niveau des langues proposées, en fait, à partir du moment où on a 6 étudiants sur tout le campus, pas forcément des bachelors, qui sont intéressés par une langue et qu'on peut la proposer, qu'on peut trouver un professeur. Par exemple, si vous demandez du pashto qui est parlé dans une certaine région de l'Afghanistan, on risque d'avoir un peu de mal. Mais sur les langues plus traditionnelles, entre guillemets, il n'y a pas de souci. On ouvre la langue, donc à partir du moment où on a 6 étudiants intéressés et vous vous engagez pour un semestre. Donc c'est possible de tester plusieurs langues tout au long de votre cursus. Il y a Xavier qui demande si les cours sont présentiels. Donc 100% des cours sont en présentiel. Et il y a Lolo qui demande s'il y a des stages. Donc je vais laisser Madame Antébillon répondre à cette question. Alors, donc en fin de première année, il y a un stage obligatoire de 6 semaines minimum. Donc là, les étudiants sont partis depuis début juin en stage, avec au retour un rapport de stage et une soutenance. Et la dernière année va se faire en apprentissage, donc une vraie immersion en entreprise. Louane, Alexandre, est-ce que vous avez démarré vos stages, vous? Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Alors bon, moi du coup, je n'ai pas de stage cette année vu que j'ai trouvé mon alternance, donc je travaille aussi en parallèle de mes études. Le stage l'année dernière, oui, c'est donc moi j'avais fait un stage de 2 mois. Alors il y a une période minimum, il me semble que c'est 1 mois minimum. Moi j'avais choisi de faire 2 mois, on peut bien évidemment faire plus. Et donc j'avais effectué ça dans un data center, ça s'était très bien passé. Et vu que le stage s'était très bien passé, le rapport et la soutenance s'étaient eux aussi très bien passés. Mais voilà, le but du rapport et de la soutenance, c'est vraiment de montrer ce que vous avez pu faire
en entreprise et de montrer que vous êtes aussi capable de travailler dans un environnement professionnel et qu'on puisse derrière éventuellement vous confier diverses missions. Et Louane, toi, donc ton stage de première année, tu le fais dans quelle structure ? Alors moi, mon stage de première année, je le fais donc à l'aéroport d'Angoulême-Cognac, là où je suis. Et donc, ce sera un stage pendant lequel je vais pouvoir faire de la maintenance aéronautique, de l'avionique et un peu de logistique aussi. Passionnant, stage très passionnant. Merci beaucoup. On va finir sur les deux dernières questions parce qu'il va bientôt être l'heure. Donc, il y a quelqu'un en anonyme qui demande s'il est possible de postuler en master après une licence d'économie. Alors, pour tout ce qui est vraiment les cas particuliers, les profils particuliers, je vous conseille de nous contacter directement et vous pourrez voir directement avec le chargé d'admission en fonction de votre profil. Et il y a Lolo qui demande s'il y a beaucoup de physique. Alors oui, il y a de la physique parce que bah, forcément, on en a besoin si on parle de faire voler des avions dans le ciel ou de travailler sur des bâtiments. Mais c'est de la physique appliquée. Tout est toujours appliqué. Et il y a le responsable pédagogique qui a donné un exemple que moi, j'aime bien redonner, qui a donné un exemple lors d'une journée porte ouverte. C'est que là où en prépa, sur un théorème, on va vous faire un exercice avec des chiffres et des lettres. En bachelor, alors aéronautique, parce que l'exemple est appliqué à l'aéronautique, mais c'est aussi le cas sur les autres bachelors, bah, on va vous parler d'un avion qui doit se poser sur un porte-avions. Et donc, il faut calculer une courbe, une vitesse ou ce genre de choses. Après, sur les détails vraiment de physique, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin de mon côté. Mais voilà, en tout cas, c'est important de voir qu'à chaque fois, les notions vues sont tout de suite appliquées. Voilà, ça va être la fin de ce live. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Je tiens à remercier Madame Antébillon, Louane et Alexandre. Je vous rappelle donc les contacts. Donc, Maximilien Ray pour les trois bachelors de Paris et moi-même pour le bachelor de Bordeaux. Je rappelle également que les admissions sont encore ouvertes puisque les bachelors sont hors Parcoursup. Qu'il vous suffit de télécharger le dossier sur notre site internet et de le renvoyer par mail. Voilà, et vous aurez de toute façon des réponses très très rapides. Après, là, il ne reste plus énormément de place, donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de télécharger votre dossier assez rapidement et de l'envoyer assez rapidement. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je remercie donc encore tous les participants du live. Je vous remercie, vous, pour toutes les questions que vous avez posées. C'est ça qui a aussi permis de rendre ce live aussi riche et aussi vivant. Et donc, on se retrouve sur le prochain live spécial Bachelor. Très belle soirée à tout le monde.